Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie. Uncharted 2. Alors, hop, c'est parti. Let's go. On en était à là. On va voir. Est-ce qu'on en était? Oui, c'est ça. Bu kutular ya, bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Là, faudrait. Faut juste attendre. Nickel. Du premier coup. Faut passer par là-haut. Ça pourrait être utile. Ok, alors laisse. Là, ça va marcher. Il nous faudrait un cheval. Un cheval. Ces chevrons vont nous aider à monter sur le toit, si on arrive jusque-là. Heureusement que l'un de nous est malin, hein. Ici. À toi. Hey! Elle a du corps! Elle a du corps! Merci, mon pote. Allez, du nerf. C'est bon, j'arrive. La prochaine fois, je prendrai l'ascenseur. On va rester tranquille. Hop, nickel, ça c'est bon. Putain, pour l'époque, il était vraiment très très bien fait. Bon, voilà la tour. On se rapproche. Merci de me tenir informé, très cher. Je te lâche pas, moi. Va falloir te mettre au régime. C'est bon, y a personne, hein. Bon sang, c'était juste. Revenez. Fini les donuts. Continuez vos petites affaires. Encore une fois, et c'est bon. Je suis juste derrière toi. La routine. Y a un mec au-dessus, juste au-dessus. Oh, bonne nuit. Au revoir. Ok, on est bon. Ouais, super vue. Magnifique. On continue.
y est presque. Ouais, mais pourquoi les lumières sont encore allumées? Chloé va gérer ça, pas de soucis. Ah. Bonjour. Oh merde. On peut pas se rapprocher avec une tour éclairée comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fout? En avant, Chloé. Bien joué. Ok. C'est bon. Mesdames d'abord. Trop chou. On y va. Ah, la voilà. Et voilà l'alarme acoustique. Si on la désactive pas, la sonnerie retentira dès qu'on effleurera la vitre. Je m'occupe de ça. Et voilà. Parfait. On est sûr que c'est la bonne? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pardon, Marco. À dire. Tout ça pour ça. Oh, je suis dégoûté. La lumière du Grand Khan. Une petite minute. Qu'est-ce que tu fais? C'est de la résine, ça brûle. Et? Passe-moi ton briquet. Oh, c'est vraiment une bonne idée, t'es sûr? Allez. File-moi ça. Nous avons été emportés par un déluge marin jusqu'au fin fond de Java. On dirait qu'ils ont subi un tsunami. Ouais, quelque part à l'ouest de Bornéo. Ah, oh, cool. T'as pas moins précis? Attends. Cette montagne est sûrement au cœur du secteur où ils se sont échoués. Si on trouve cette montagne, on trouve les bateaux. Ouais, bien vu, Nate. Attends, attends. Hein? Comme si l'océan cherchait à rejeter la terrible cargaison que nous transportions depuis Shem. Bala. La malédiction de Shintamani. Tu sais ce que ça veut dire? Shambhala. Oh mon dieu, Flynn! De quoi? Marco Polo a trouvé Shambhala. Shangri-La. Tu plaisantes? S'il transportait la pierre de Shintamani, il y est peut-être encore. Ouais, c'est vraiment fascinant, mais il faut qu'on y aille. Oui, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fous? Désolé, Nate. Mais nos chemins se séparent. Attends, Flynn, on a un plan! Non, tu as un plan. Et il s'avère que t'es pas le seul. Allez, lance-moi la corde, sois pas débile. Ah ouais, c'est vrai, c'est toi le cerveau. Mais je crois que t'as oublié un petit détail. N'est-ce pas, partenaire? J'y crois pas, tu vas me flinguer? Non, je veux juste t'évincer un petit moment. Tu croyais que j'avais pas compris tout de suite pour les bateaux? Mais même un gamin aurait pu deviner ça! Flynn, écoute. Ta gueule, génie. Je t'ai bien eu. Un, attends. Il faut laisser aux gardes une longueur d'avance. Bon, faut que je file. Et sans rancune, hein? Quel connard. Ah, elle est là. Oh non, 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 non. Ok, cette fois je suis cuit. Tu peux toujours t'en tirer. C'est rien.
C'est rien. Réfléchis, Nate. Réfléchis. Et ben voilà. Par ici. Sors-toi de ta tête, Nate. Allez. Comment je peux faire pour sortir? Voilà. On est caché, c'est qui ce que j'ai? Faut que j'attende cette échelle. Ciao, les blaireaux. T'aurais pas oublié un petit détail, dis-moi, partenaire. Quoi? 3 mois plus tôt. Bah ouais, plus tard. Tu t'es fait avoir. Ah, vraiment? Hein? Hé, attention! Abruti, vous gâchez mon show, là! Ah, quel dommage! Sully! Je peux pas te laisser une seconde sans surveillance. Oh, mon vieux, je suis content de te voir! Ah bien, Nate? J'ai déjà connu mieux. Bon, j'ai dû graisser quelques pattes. J'ai utilisé le reste de ton fric, et aussi un peu du mien, mais bon, hein. Ah. Oh, ce que tu pues! Peut-être, mais pas autant que tes cigares. Ouais. Comment tu m'as trouvé? En fait, une amie à toi a fait appel à moi. Salut, Nate. Oh non, non! Attends une seconde. Sully, vire-la d'ici et ferme la porte, c'est pour ton bien. Oh, laisse-lui juste 2 minutes. Et écoute-la. Merci, Victor. Et sérieux, Sully, t'es pas le mieux placé pour me conseiller. Surtout en ce qui concerne les femmes. T'as raison, toutes les mêmes. Grand Dieu. Oh non, c'est pas si mal. Regarde, j'ai mon propre seau. Ouf. Dans ma dernière cellule, on devait tenir à 8. Écoute, Nate... Tu sais, j'apprécie vraiment de te voir ici. Mais si toi et Flynn ne m'aviez pas doublé en beauté... Hey, attends une minute. Je n'aurais pas pourri au Mita pendant ces 3 derniers Nate. Mois. Alors excuse-moi si j'ai pas envie de te sauter dans les bras. Je n'avais rien à voir avec ça. Ouais. Je te l'avais dit. Il ne voudra pas m'écouter. Ça suffit. Nate, ils ont trouvé les navires. À Bornéo. Ouais. Oui. Et la pierre de Shintamani? Comment tu sais un truc pareil? Tu croyais vraiment Flynn capable d'apprendre ça tout seul? Ok, bien vu. Non, ils ne l'ont pas encore trouvé. Comment ça, il? Flynn et son client, Lazarevitch. Tu sais, Barjo, ils collaborent ensemble depuis le début. Ah, je vois. S'ils n'ont pas encore la pierre, il nous reste encore du temps. Emmène-nous jusqu'au site de fouille. On va leur voler leur trésor quand ils auront le dos tourné. Ils vont rien voir venir. Ah ouais, et je vais me venger. Regarde, ça s'appelle le joyau des désirs. C'est un objet sacré. Comme un sacré Graal bouddhiste? C'est ça. Merci. Sully, écoute ça. Dans le royaume de Shambhala, l'un des plus précieux objets mondiaux est conservé. Un superbe saphir brut d'un bleu profond, si large qu'un homme seul ne serait capable de le porter. Ouh, ça doit valoir des millions. Des centaines de millions. Et il y en a d'autres comme ça? Plein d'autres. Lazarevitch a payé très cher les carnets de Marco Polo. Il cherche la pierre de Shintamani depuis longtemps. S'il compte vraiment sur Flynn pour la lui trouver, il peut chercher pendant toute sa vie. Si j'obtiens les fichiers de Lazarevitch, je trouverai cette pierre. Une minute, cow-boy. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les fichiers sont dans sa tente. Et sa tente est en plein milieu d'un camp. Et c'est une vraie place forte. Il y a des soldats partout. Eh bien... Pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir une taupe. Quelqu'un en qui ils ont confiance. Ah, ok, d'accord. Je vois où tu veux en venir. Il faut juste faire une diversion. Donne-moi 5 minutes dans cette tente. Grand maximum. Vraiment, 5 minutes. Très bien, j'aurais même pas enlevé le haut. En fait, Chloé, je pensais plus à une explosion. Ah, ça. Ça aussi, je peux le faire. T'es ok? Oh que oui, tu peux totalement compter sur moi. Allez, on continue encore un peu. Chloé, tu nous reçois? Il faut le temps que je puisse imploder. On s'approche. Ok, j'ai placé des charges dans tout le périmètre du camp. Vous deux, vous n'avez qu'à les armer.
Alors, là, il y a un bon... La première doit être juste devant vous. On y est. Je vous ai aussi laissé le détonateur. Ah, on y est. Très bien. Première charge en place. Ne touche pas au bouton. Tu l'as ? Voilà. Quand vous avez placé toutes les charges, appuyez sur le détonateur et ce sera le feu d'artifice. Ils sauront jamais ce qui les a eus. Faites attention. Lazarevitch a posté des hommes dans tout le périmètre. Fais bien gaffe aux patrouilles. Oh, je transpire comme une pute à l'église. T'as amené une pute à l'église ? Pourquoi pas ? Quel vieux pervers ce suit. Hé, attention. Oh, merde ! Bim. Il y avait pas encore des systèmes automatiques à l'époque. On peut traverser par là. Ouais, tu peux le faire. Ok, bouge pas, papy. Je vais voir si je peux trouver un autre chemin. Proximité du site de fouille numéro 1. Il devrait être là depuis le temps. Merde ! Éloignez les pigeons, ils ne peuvent plus donner de travail au camp. Je me concentre. Enfin, se concentrer. Attendre des ennemis. Hop, ok. J'ai placé quatre autres charges par là. Mais vous allez devoir évacuer avant de pouvoir les armer. Voilà le camp. Tu penses être prêt ? Allons-y. Vaut mieux pas. Bien joué! Bien joué, Milou! Très bien. On doit trouver ces explosifs et les activer. Il nous reste encore trois charges à activer. Les autres sont là. Il devrait en rester plus que deux. Très bien, plus qu'un et on pourra partir. Hey, faut encore activer les explosifs, tu te rappelles ? Voilà.
Et voilà, nickel. À tous. Maintenant, on va aller voir Monsieur Lazarevitch. On est hors de portée. Viens par là, je vais t'aider. Allez, Playboy, saute. Très bien. Tu devrais faire un régime, Sully. Merci. C'est bon. Oh, il a fallu un gros tsunami pour entraîner ces navires aussi loin dans les terres. La 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 la. C'est... Voilà. Couche-toi. Eh merde, la pompe est encore naze. Oh, ce putain de truc tombe toujours en panne. Allez, faut la réparer pour qu'on se tire de là. Regarde, ils sont pas armés. Oh, pas tant que ça, ils attendent quoi? On peut s'en occuper. Je sais pas, Sully, peut-être... Un intrus. J'aurais bien aimé avoir un peu d'aide là. Eh, hey, tu t'en sortais. Ouais, après. Uncharted 3, il était. Un de plus pour toi. Sully. Très très bien. Mort, je parle pas beaucoup, je sais. C'est frivolité, gamin. On a du boulot. Qu'est-ce que ça veut dire, frivolité? Mais je préfère. Ton avis, si on suit le tuyau, on trouve le camp. Tu suis toujours les tuyaux. Comme à Montréal, hein? T'oublieras jamais cette histoire, hein? Je crois que je peux voir le camp. Ok, t'es prêt. Attends, attends. Une seconde. Trois mois et vous n'avez rien trouvé. Oui, mais attendez, on s'est... Commandant ! Ça doit être Lazarevitch. Cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5. Tu me trahirais pour ça? Non, non, Zoran, je peux t'expliquer. Non, non, c'est pas la peine, t'inquiète. Ah, il est violent. Il tue ses propres hommes, quand même. Je suis entouré de traîtres et d'idiots! Ça te dirait de lui pourrir sa journée pour de bon? Vas-y. Déployez-vous! Fouillez le périmètre! Go! Allez, c'est parti! Ok, à toi de jouer. Vas-y, je te couvre. Un abruti a laissé son fusil à lunettes ici. Attention, mec. On dirait qu'ils ont laissé quelques sentinelles derrière. Bon, on fait la prochaine cinématique qui est dans, pas, qui est dans vraiment garçon, pas longtemps. C'est l'heure du feu d'artifice. Et puis, on va se dire à la prochaine. Parce qu'il faut... Comme je vous l'ai dit, hein, ce sera des petits épisodes, vraiment. Un par jour. On va mourir. Je l'ai... Voilà. Oh, ce Lazarevitch fait pas les choses à moitié, Sully. Tu verrais ses dossiers. Il a des infos sur chaque expédition pour trouver Shambhala, et... depuis le 17e siècle. Le journal de Marco Polo. Il est là. Dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. Le vaillant pèlerin reçoit un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Oh. C'est censé avoir un sens? Je sais pas. Attends,
Ça continue. C'est avec grand-peine que j'ai abandonné mes compagnons à leur destin, un destin scellé par l'affreuse cargaison dérobée à Shambhala. Ils ont pensé que ce tsunami était une sorte de punition divine. Une petite minute. Merde, je crois que la pierre de Shintamani est ailleurs. Quoi ? Écoute ça. J'aurais préféré endurer la fureur de Kubilai Khan lui-même que de soustraire la pierre de Shintamani à son tombeau sacré. Marco Polo n'a jamais eu la pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse cargaison, alors ? J'en sais rien. Mais si la pierre n'est pas là, qu'est-ce que Lazarevitch cherche à retrouver ? Shambhala. Là, à Bornéo ? Ce serait quand même un peu gros, tu crois pas ? Il cherche à retrouver les traces de Marco Polo, direct, jusqu'à Shambhala. Quoi ? Parce que la pierre y est toujours. Chloé, tu m'entends ? Attends. Oui, je suis là. Au cours de toute leur recherche, est-ce qu'ils ont trouvé des corps ou des dépouilles ? Non, maintenant que j'y pense, rien du tout. Pourquoi ? Plus de 600 personnes se sont échouées ici, mais pas un seul corps. Vous trouvez pas ça louche ? Où est-ce qu'ils sont passés ? Vous iriez où en cas de tsunami ? Le plus haut possible ? Bingo. Grimpons sur cette montagne. Je parie qu'on y trouvera nos hommes. Chloé, tu nous retrouves là-bas ? Je suis déjà en route. Super. Oh, Nate, prends tes jambes à ton cou. Laisse-moi encore quelques petites minutes. Ça va pas être possible. Bon sang. Ils sont morts ! Oh, merde ! Dispersion ! Bon, les gens, on va s'arrêter. Bouge pas, gamin, je te cours. Hein ? Je sais que je parle pas beaucoup. C'est cool, c'est pratique. Parce que je vous laisse apprécier quand même le jeu. Je vous laisse apprécier, c'est normal. Allez, on se dit bye bye et à la prochaine.